PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Richcast de Pyjama Rich TV. Moi c'est Jeff et je serai ton hôte sur toute la durée de cet épisode. Si tu es nouveau et que tu viens de nous rejoindre, pense à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et n'oublie pas d'activer les notifications pour ne rien manquer du prochain contenu. Aujourd'hui, je voulais parler avec toi des 6 monnaies qui feront de toi un riche instantanément. On est tous le riche ou le pauvre de quelqu'un. Alors pourquoi ne pas tenter l'expérience et devenir riche le temps de tes prochaines vacances ? En effet, grâce aux multitudes de monnaies qui existent de par le monde, il est désormais très simple de devenir millionnaire dans une autre devise. De plus, le coût de la vie étant généralement plus bas dans ces pays, tu peux vraiment te sentir très riche, même avec peu de moyens. J'avoue que ça reste une expérience agréable lorsque tu changes ta monnaie habituelle pour une monnaie plus faible. Quelquefois, tu te retrouves avec des liasses de billets, tu ne sais même plus où les mettre. Même si au fond, tu le sais que bon, ça ne représente pas grand-chose, c'est un peu comme de l'argent Monopoly, mais la première sensation est tout de même assez excitante. Nous allons donc découvrir ensemble quelles sont les monnaies qui te rendront riche instantanément. En numéro 1, nous avons le rial iranien. Au taux de change actuel, 10 euros te donneront 469 265 rial iranien. L'Iran, qui est quand même un pays riche en culture, en histoire et en religion, ferait une excellente destination vacances. En plus, il y fait chaud quasiment toute l'année. Et puis surtout, il est désormais possible d'obtenir des visas touristiques un peu plus facilement qu'auparavant. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout ce taux de change exceptionnel. Pour 10 euros, tu as quasiment un demi-million de rial iranien. Tu es quasiment millionnaire pour le prix d'un paquet de clopes. Bien que cela ne veut rien dire dit comme ça, je vais alors t'expliquer et te montrer tout ce que tu peux t'offrir pour 10 euros en Iran. Ainsi, tu auras une meilleure idée du pouvoir d'achat local. Le but étant toujours d'en avoir plus pour son argent. 10 euros en Iran te permettent d'offrir 2 repas dans un restaurant local pas cher, 2 bières sans alcool de 50 centilitres, 20 pains au marché, 4 paquets de cigarettes Marlboro, ou alors 4 cappuccinos ou 20 km en taxi. Donc pour 10 euros, ça fait pas mal de possibilités. On est bien loin des tarifs de l'Hexagone. En numéro 2, nous avons le dong vietnamien. 10 euros sont égales à 260 683 dong vietnamiens. Tous ceux qui ont déjà voyagé en Asie du Sud-Est ont dû en entendre parler, ou au moins voir peut-être quelques billets de dong. Ils sont très faciles à reconnaître et sont très colorés, remplis de zéros et a toujours la même tête dessus. Le Vietnam est un pays assez intéressant à visiter et qui garde son identité. Une histoire riche, une gastronomie délicieuse, des monuments, des gens accueillants. Contrairement à la Thaïlande, le tourisme de masse n'y est pas encore trop présent. Et puis un pays où l'eau coûte plus cher que la bière peut avoir de l'intérêt pour certains. Mais en général, ça reste un pays très abordable dans son ensemble. Et pour toutes ces raisons, je te conseille de l'ajouter à ta liste de pays à visiter. Alors que peut-on acheter avec 10 euros au Vietnam ? Eh bien pour 10 euros, tu peux avoir 6 repas dans un restaurant abordable local, 14 bières locales de 50 centilitres, 14 pains au marché, 10 paquets de cigarettes Marlboro, 4 cappuccinos ou encore 20 km en taxi. Ce qui laisse donc présager des vacances intéressantes, même avec un budget limité. En numéro 3, nous avons la roupie indonésienne, où 10 euros égale 161 354 roupies indonésiennes. L'Indonésie et ses plages de sable blanc, ses cocotiers, son océan bleu, ses tortues et ses magnifiques îles. Bref, une belle destination vacances. Mais avec des millions, voire des milliards de roupies indonésiennes, c'est encore mieux. Voici ce que 10 euros te permet d'acheter en Indonésie. Pour 10 euros, tu peux avoir 6 repas dans un restaurant local, ou alors 4 bières locales de 50 centilitres, 10 pains au marché, 8 paquets de cigarettes Marlboro, 6 cappuccinos, ou encore 36 km en taxi. Il ne te reste plus qu'à prendre un billet, préparer tes valises afin d'aller découvrir les merveilles qu'offre l'Indonésie. En numéro 4, le kip laotien. Où 10 euros sont égales à 96 438 kip laotiens. Encore un pays d'Asie du Sud-Est, mais qui est très rarement mis en avant et pourtant qui vaut le coup, le Laos. Une ambiance très détendue, très relaxe, un peuple chaleureux, font de ce pays une excellente destination vacances. Et sa monnaie, le kip, feront de vous un multimillionnaire en quelques instants. Encore une fois, on va se demander qu'offre 10 euros au Laos. Pour 10 euros, on peut avoir 4 repas dans un restaurant abordable,
8 bières locales de 50 centilitres, 5 pains au marché, 5 paquets de cigarettes Marlboro, 4 cappuccinos et seulement 8 km en taxi. Ce qui fait tout de même du Laos une excellente destination pour les prochaines vacances. Changeons maintenant de continent pour le numéro 5, nous allons aller en Amérique latine où nous allons découvrir le Guarani paraguayen en numéro 5. Le Paraguay et ses merveilleuses cascades naturelles, des montagnes incroyables et bien sûr des millions de Guarani. Alors qui est partant ? Mais avant, découvrons ce qu'on peut s'offrir pour 10 euros au Paraguay. Deux repas dans un restaurant abordable, 10 bières locales de 50 centilitres, 16 pains au marché, 6 paquets de cigarettes Marlboro, 6 cappuccinos ou 12 km en taxi. Pour le numéro 6, nous allons rester sur l'Amérique du Sud avec le pesos colombien. Un de mes pays préférés d'Amérique du Sud, la Colombie. Encore un pays d'Amérique latine où il fait bon de séjourner. Des plages magnifiques, un super climat, des tribus traditionnelles, une architecture riche, des fêtes folles. Ah, la Colombie. Eh bien, la Colombie offre tout ça et encore plus. Et quand on est millionnaire en pesos, pourquoi s'en priver ? Pour te convaincre, découvre ce que tu peux acheter pour 10 euros en Colombie. 4 repas dans un restaurant pas cher et en sachant que la gastronomie colombienne est délicieuse. 12 bières locales de 50 centilitres parce que les Colombiens savent vivre. 12 pains au marché, 8 paquets de cigarettes Marlboro, 8 cappuccinos ou encore 8 km en taxi. Ce qu'il faut savoir pour ce classement, c'est que les conversions sont au taux en vigueur au moment où j'ai fait cette vidéo. Les prix sont basés sur une moyenne, mais une fois sur place, vous pouvez trouver beaucoup moins cher ou beaucoup plus cher. Simplement, cela permet de se faire une idée sur une base de produits du quotidien et de pouvoir comparer les monnaies, les pays sur des produits similaires. Si vous deviez en choisir une, quelle serait votre destination préférée de cette liste pour vivre l'expérience millionnaire le temps de vos prochaines vacances ? Connaissez-vous d'autres pays où vous en avez vraiment pour votre argent ? Si oui, n'hésitez pas à le partager dans un commentaire. Vous pouvez également partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Ce sera tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, pense à me laisser un petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, tu peux le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge « s'abonner ». Et n'oublie pas d'activer les notifications pour être prévenu dès qu'il y a du nouveau contenu. Tu peux également rejoindre ma liste de contacts, c'est le Pyjama Rich Club. Tu trouveras le lien en partie description de cette vidéo, c'est entièrement gratuit. Tu rends ton nom, ton email. Et en plus, je t'offre gratuitement mon e-book sur comment créer un business pour moins de 500 euros. Tu seras également prévenu dès qu'il y aura du nouveau contenu, tu auras accès à du contenu exclusif, etc., etc. Tout ça, ça se passe en description. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Entre-temps, prends bien soin de toi. Bon courage. Allez, salut.